Jean-Mi Loulou, comment ça va aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, votre avis, on est quel jour? On est le lundi, premier jour de la semaine, n'oubliez pas. Alors, on est le lundi 18 mai. Très bien. Vous répétez? Aujourd'hui, on est lundi 18 mai. Et quel temps il fait aujourd'hui? Il fait très 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 beau. Pas comme hier. Hier, vous avez eu de la pluie aussi. Hein, le Sita, qu'est-ce qu'il a fait hier? Oui, il a plu beaucoup, 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 beaucoup. Alors, aujourd'hui, on va commencer un nouveau thème. C'est fini les animaux, d'accord? On a bien vu les animaux, on reverra ça plus tard, mais là, on a fini les animaux de la ferme. Ouf, maintenant vous êtes incollables sur les animaux de la ferme. Alors aujourd'hui, on va voir les métiers. Qu'est-ce que c'est que les métiers, dites-moi. Alors, qu'est-ce que c'est que les métiers? Les professions ou les métiers? Vous savez ce que c'est? Non? C'est ce que les papas et les mamans font. C'est le travail des papas et des mamans. Alors, vous allez me demander à papa ou à maman le travail qu'ils font, d'accord? Comme moi, qu'est-ce que je fais moi? C'est quoi mon travail? Oui, c'est ça, c'est être la maîtresse. Je suis la maîtresse. Et papa, il fait sûrement quelque chose. Maman aussi. Mais même si elle est à la maison, c'est du travail aussi. D'accord? Regardez ce que je vais vous montrer. Alors, vous voyez, c'est écrit les métiers. Est-ce que vous reconnaissez un petit peu quelques métiers là? Regardez. Oh, regardez un petit peu. On ne voit pas tout. Hein. Là, les premiers là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Qui reconnaissez-vous? Ah, le premier, il est facile. Hein? Regardez, qu'est-ce que c'est le premier? C'est un docteur, oui. On dit le docteur, mais on dit aussi le médecin. Un médecin, d'accord? Le médecin, on va aller plus vite. Donc, le médecin, qu'est-ce qu'il fait le médecin, les loulous, à votre avis? Il fait des piqûres? Oui, il peut faire des piqûres, c'est vrai. Quand on va chez Julie, elle fait des piqûres, c'est vrai. Mais regardez, qu'est-ce qu'il a autour du cou? C'est un stéthoscope. Je suis désolée pour la musique, hein. Il y a une fête dans la rue. Ça va être toute la journée, je pense. Donc, il a un stéthoscope, c'est pour ausculter, écouter le cœur, écouter quand vous respirez. Vous avez déjà eu ça, hein? C'est froid quand on le met sur la peau. Alors, le médecin, il soigne. Vous répétez? Il soigne. Il soigne qui? Les malades, oui. Le médecin soigne les malades, ceux qui sont malades, oui, à l'hôpital ou au cabinet. Le cabinet, c'est son bureau. C'est un bureau privé, le cabinet. Mais on peut aussi le trouver à l'hôpital. Oui, vous avez raison, c'est bien. Alors, le médecin soigne à l'hôpital. Il guérit les malades. Qu'est-ce qu'il leur donne? Des médicaments, oui. Attention, c'est pas chez lui que vous allez trouver les médicaments. Vous devez aller où pour trouver les médicaments, les loulous? À la pharmacie, très très bien. Donc, le médecin prescrit des médicaments. Ça veut dire qu'il écrit sur une feuille Doliprane, Aspegic, Aspirine, Vitamine. Donc, il écrit le nom des médicaments sur une feuille et vous allez à la pharmacie pour chercher les médicaments. D'accord? Sauf chez Docteur Julie. Et Docteur Julie a sa propre pharmacie. Très bien. Alors, le médecin soigne les malades à l'hôpital. Très bien. Les malades du docteur s'appellent les
patient. Donc, le médecin, le docteur, à l'hôpital, il guérit les malades. D'accord? Très bien, là. Bon, fini pour le médecin, on a compris. Ah, oh, ça s'est arrêté la musique, bien entendu? C'est chouette, ça. Alors, après le médecin, on peut trouver... Ah bah oui, la copine du médecin, regardez. C'est qui, ça? On en trouve partout, 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 partout à l'hôpital. Il y en a beaucoup. Ce sont les habits infirmiers pour un garçon ou infirmières pour une fille. Oui. Alors, eux ou elles, ils aident beaucoup le médecin. Ils aident comment dire? Ils peuvent faire des piqûres, oui, les infirmières peuvent faire des piqûres, à changer des pansements, à changer la perfusion. Vous savez ce que c'est la perfusion? C'est le médicament qui est dans un gros flacon comme ça, accroché, avec un fil qui descend et une aiguille qui rentre dans votre bras. D'accord? C'est ça une perfusion. Donc l'infirmière aide à prendre soin des malades. Ça veut dire que le docteur, il est là pour regarder ce qui va, ce qui ne va pas. Mais ensuite, c'est l'infirmière qui donne les médicaments, qui change aussi les draps, qui ramène le malade pour aller faire des radios, qui lui fait les piqûres, qui change les pansements quand on a quelque chose de cassé, qui aide beaucoup. Les infirmières font beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. D'accord? Regardez là, elle s'occupe d'un petit. À votre avis, qu'est-ce que c'est ça? D'un petit bébé après qu'il soit né. Voilà. C'est aussi l'infirmière qui ramène le bébé à sa maman, qui ramène le biberon, qui l'aide avant, à la première fois à le laver, à le changer, qui montre comment faire, qui ramène à manger aussi au malade. D'accord? Une infirmière. Ou un infirmier. D'accord, mes loulous? Oui? Alors aujourd'hui, on a vu les deux. Le médecin qui soigne, qui guérit, qui donne les médicaments, le nom des médicaments. L'infirmière qui prend soin des malades, qui s'occupe des malades après que le médecin soit passé. D'accord? Oui? Très bien. Alors pour les deux, vous retenez bien le médecin et l'infirmière. Où est-ce qu'ils travaillent? À l'hôpital ou au cabinet. D'accord, les loulous? Super!